Et si tu vous mettez genre les arguments anti-nucléaires et trucs comme ça? Alors je te donne ma carte. Voilà le site internet. Okay. Voilà, donc nous on est sur des procédés innovants. Là on utilise tu vois, des moyens de projection. Là on a un générateur, un vidéoprojecteur, un ordinateur, c'est très classique. Mais ce qu'on peut utiliser aussi, c'est des prototypes autonomes, ce qu'on a fait ce soir tout à l'heure, où on projette effectivement à la main directement. C'est plus souple, on démocratise la projection si tu veux, sans demander trop d'énergie avec des batteries. Et ça a été fait tout à l'heure sur 5 lieux. Où ça? On a fait donc le 22 avenue Matignon sur le thème du logement. En face, il y avait AXA. Donc c'est vous, avez quoi, vous avez projeté quoi? Alors attends, je te développe le truc. Ouais. Ouais, donc 22 avenue Matignon, AXA en face sur les services publics, parce que AXA est en train de récupérer toute la santé en fait, le rendre payant. En face, c'était le bâtiment donc occupé par Jeudi Noir l'année dernière, problème de logement, bâtiment vide. Beaucoup d'entreprises ont à Paris des surfaces énormes et il n'y a personne dedans, sans qu'ils les utilisent pendant des années. On a fait après donc ici à Areva sur le thème de la coopération vis-à-vis de l'Afrique, le nucléaire qui est pris au Niger, et là-bas c'est un bordel pas possible. Au Niger, si tu veux, le nucléaire, ça vient de ces pays-là, si tu veux. L'uranium. Et il y a des guerres pas possibles pour récupérer toujours la même chose, les matières premières, etc. Problème de coopération, problème de nucléaire, hein, évidemment. Donc derrière, du coup, le parc écologique, qui symbolise un petit peu le retour à la nature. On peut en rire, hein, mais voilà, grosso modo, ça symbolise quand même et ça simplifie le message pour le grand public, si tu veux. Sans se taper des bouquins qui font 10 pages, 500 pages. Déjà, en une image, tu comprends le message. Le but, c'est des moyens d'action visuels. Voilà, mettre l'artistique au service du politique. Après, on a fait BNP Paribas sur le problème de la finance, le problème des paradis fiscaux. On pouvait le faire sur les biens mal acquis également. On a fait après le palais de justice sur les problèmes de migration, parce qu'il y a le centre de rétention administrative à l'intérieur, où finalement la justice, normalement, c'est censé protéger. Et ils font venir des gens et ils vont dans les sous-sols et on les met en mode expulsion, charter, à l'étranger. C'est directement dans le palais de justice en fait, ce qui n'est pas logique, normal. Et après, on a fait l'Assemblée nationale sur un thème plus large, lié à la campagne électorale, donc c'était libérons les élections. Et puis voilà, le langage du vivre, enfin le principe du vivre ensemble, un discours politique très large. Voilà, on était en bus, ça a bien fonctionné. Voilà, je pense que beaucoup d'associations du coup vont essayer de le faire à nouveau. On propose nos services et voilà, ça avance comme ça. En plus, vous avez invité des journalistes? Voilà, le principe, moi, c'est de relier la rue, les associations de solidarité internationale, les médias alternatifs, les spécialistes de la gouvernance et les artistes engagés. Grosso modo. C'est pas facile en France parce que les spécialistes snobent généralement la rue, parce que la rue, il y a une répression féroce judiciaire qui fait que les gens sont 100, puis 50, puis 20, puis 10. Et du coup, les spécialistes, ceux qui sont à l'école normale supérieure, en conférence et autres, ils pensent que la solution vient de la connaissance, compréhension de ce que font les puissants au service des pauvres, de ceux qui trinquent, mais pas en allant avec les gens qui trinquent, considérant que les gens qui trinquent n'ont pas les solutions. Or, les révolutions comme au printemps arabe, c'était tout le monde se soulève. Donc c'est ce qui va venir là, on pense, avec la Grèce, ça remonte. Grèce, Italie, Espagne, ça remonte, les classes moyennes vont être laminées et on risque de se payer peut-être ce qui s'est passé en Espagne, avec les gens qui n'ont plus de quoi se loger, c'est déjà un peu le cas, avec les gens qui n'ont plus de quoi avoir de travail, et du coup ça permet d'anticiper ça. Donc tu penses qu'elle vient d'où la solution alors? La solution, c'est de se regrouper, d'anticiper ça. C'est-à-dire que la finance globale veut plus de classe moyenne. C'est-à-dire que très très riche, très très pauvre. Point barre, c'est ce qu'ils veulent dans le monde. Ils sont en train de casser ça en France, comme ils ont cassé ça ailleurs. Et du coup, bah, les gens vont se retrouver à se bouger. Parce que voilà, c'est l'ordre des choses. À un moment donné, tu es attaqué, bah, tu réagis. Voir les algues. Excusez-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? You speak French? Just un peu. What do you think about this? It's Areva and there is a nuclear bomb attack.
And you see, it's a... Just see. Yeah, this, I see. Yeah, wow. And here it's ecologic place, oh, wow. Algae. From water, d'accord, oui. From the sea. Okay, d'accord. It's an interview, if you want. Yeah. It's the bomb. Yeah. The contrast between the two. Exactly, the contrast, yeah.